Et bonjour les gens, c'est Mister Noz, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saison 2 sur Stacksel. Je sais même pas quel épisode, j'ai pas regardé, le 28 peut-être ou le 27, va savoir, ce sera marqué dans le titre, je vérifierai ça après. Alors ouais, il fait beaucoup trop chaud hein, pour tourner en journée, là je vous tourne cet épisode à la fraîche un dimanche soir. Il doit être 22h moins 15, donc 10h moins le quart du soir. Alors, on est passé en 1.2.4, c'est une bonne nouvelle, j'ai joué de mon côté. Alors maintenant, vous avez un lien vers le Twitter officiel de Stacksel et vers le Discord, hein, si vous êtes anglophone, ça peut être pratique. Et j'ai joué un petit peu, j'ai bricolé. Alors, j'ai pas vraiment construit, mais j'ai bricolé. Donc, ce que je vous propose, c'est que on découvre ça. En plein jeu, let's go to the fun. Bonjour, 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 comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oh oui, ça va bien, ça faisait longtemps, hein, dis donc, hein, qu'on s'était pas vu. Délice, elle est où, Délice? Ah, et la fin des... Oh, elle m'a laissé un tabouret. J'ai Fripouille qui est à côté de moi, qui me regarde quand j'appelle Délice. Ça va, Fripouille? Ah, je sais pas si vous l'entendez. Elle fait un ronron? Oh, non? Oh, si, elle fait des câlins, Fripouille, les mimi. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma fripouille? Tu veux que je donne les croquettes? Je vais donner les croquettes à Délice. Je sais pas si vous l'entendez ronronner, parce qu'elle, c'est un véritable moteur. Oui, peut-être, peut-être pas, allez savoir. On va pas faire, hop, la vidéo en fonction non plus. Normalement, je suis bon au niveau de l'approvisionnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait pas mal de cuisine, et j'ai le fripouille, le chat qui se frotte contre l'écran, c'est pas pratique. J'ai plus de lait, j'ai plus rien, j'ai plus de denrées. J'ai cuisiné pas mal, donc on va aller vendre tout ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oh, elle serait sur ses petites pattes. Elle est mimi. Allez, go. Un petit câlin, Délice. Oui, un petit câlin, Délice. Là, je suis en train de couper des betteraves à sucre parce que j'ai plus de sucre. J'ai plus rien. De toute façon, j'ai quasiment tout cuisiné. On va s'en occuper tout à l'heure. Normalement, j'ai pas de culture là qui sont en cours. Voilà, et c'est toujours l'hiver d'ailleurs. C'était l'hiver la dernière fois que je vous ai fait un épisode. Il me semble que oui, j'ai ramassé un petit peu de neige que je vais ranger dans une caisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah attends, déjà on va aller nourrir les poules. On va aller ramasser des œufs parce que j'ai plus d'œufs, j'ai plus rien hein, de toute façon. Ah mais qu'est-ce que ça bouffe ces bestioles là? Ah, ah, bande de dinosaures. Hop là, anthropophage. Eh ben non, c'est pas anthropophage. Ah bon, d'accord. C'est pas cannibale. Non, oh, ça pourrait hein. Alors, donc, ici les codes, 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 codec et clunk, 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 clouk, il est où? Il est où clunk? Il est où clunk? Ah ben il est là, clunk, voilà, normalement j'ai, alors c'est 4 œufs qu'il me faut, ils sont où les autres œufs? Parce que les autres œufs, les œufs, ils sont où? Parce que des fois on les confond avec des flocons de neige. On les trouve pas toujours. Des fois, faut regarder sur les barrières aussi, parce qu'ils peuvent rester rester fixés dessus. Ou alors, c'est que les poules n'ont pas encore pondu, ou elles n'avaient pas envie. Hein, allez savoir, je les ai peut-être mal nourris. Vu que je suis parti, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé le let's play depuis le début, mais je suis en train de faire un continent. Et donc, j'ai utilisé des éponges, pour aller chercher des blocs d'eau, pour pouvoir aménager le parc paysager. Que j'ai juste fait une petite cascade, une petite rivière, là c'est les débuts. J'essaie de faire quelque chose de joli, je reprends ça, hein, mais à mon avis je vais le reprendre en off après la saison 2. Et puis je vais essayer d'arranger tout ça et de perfectionner la ville aussi, continuer à construire des maisons, une vraie place du village. Et tiens, bah ça c'est un truc qu'on peut faire d'ailleurs, c'est aller défraîchir la place du village. Parce qu'il y a beaucoup trop de fleurs, j'ai quelques idées. C'est bien, c'était bien, c'était qui? C'était Fanny. Alors Fanny, Marguerite, tu bois Marguerite quand même? Mais ah bah y est, j'ai du lard là-bas. Hop, et bah j'en ai deux. En plus c'est très bien parce que la veille je les avais pas trouvés. Hop, ça va ma petite mamie. Est-ce que t'as mangé mamie? Ah, t'as faim mamie. Mamie, elle a faim. Alors ça se balade hein, entre l'étable extérieur. J'aurais dû faire une porte, une ouverture plus grande. Parce que les vaches des fois elles se bloquent ici là, dans l'interstice. Et donc ils ont du mal à avancer. Mais sinon ça fonctionne. Par contre fallait bien que ce soit à niveau hein. Elles auraient galéré sinon. Mais c'est plus mamie et Barney qui se déplacent. J'ai mis quelques barrières ici. Bon vite fait hein, j'ai pas fait le tour vraiment. Mais c'était histoire de dire allez, on délimite pour faire joli. Et à partir de là on devrait s'en sortir. Donc ça égaye un petit peu.
tout ça. Alors j'ai peut-être des trucs à vous montrer aussi. Et le chat qui fait des câlins, elle est mignonne. Alors, pof, ah bah fripouille, si tu viens squatter mes genoux, ça va être compliqué là. Oui. Tu fais les ronrons? Oui. Oh oui, elle est mignonne. Excusez-moi, je caresse mon chat. Ah. Hop, donc je disais quoi? Attends, on va ranger tout ça. Reste pas près de ma tête comme ça, fripouille. Pof, hein. Elle veut voir son papa. Il suffit que je lance la vidéo hein, pour qu'elle vienne me voir, hein, sinon elle était pépère posée dans sa caisse. Alors ça, un petit peu de lard, j'ai vraiment plus rien. Alors, t'as qu'à foutre le bordel aussi, mon chat. Je vais peut-être ranger les outils. On va se débarrasser du maximum et on va se charger en nourriture, en tout ça. Donc écoutez, je vais peut-être pas mettre tout ça dans l'atelier, on va voir, allez savoir, peut-être que si. Hop, déjà on va se débarrasser, on va faire de la place, c'est la licence qu'on peut pas poser. Hein. Hop, il me semble qu'on peut pas, hein. On est obligé de l'avoir sur nous dans notre inventaire. C'est bien, c'est pratique. Faudrait pouvoir en faire quelque chose. Ah si, ah mais si, je peux la poser. Alors voilà, bah ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, je me disais, j'arrive pas à poser la pioche, bah forcément, elle était pas dans ma main. Toc, toc. Toc, le marteau, je devrais pas en avoir besoin. De toute façon, c'est juste de la vente. Et ma faucille ici. Et l'arrosoir. Et donc, ouais, l'arrosoir. Tiens, attends, on va faire de la place. Hop, les bouses de vache, je vais les mettre dans la boîte. Là-bas. Ça aussi, moi, je pourrais les vendre, les bouses de vache, les glands, les boules de neige. Les glands, je sais pas combien ça coûte. Les bouses de vache non plus. Je pense pas que ça coûte 1. Je pense que ça coûte plus cher. Et donc j'avais plus rien d'autre à faire. Tiens, hop, une petite betterave à sucre. On est toujours dans la matinée, c'est une bonne chose. Donc c'est parti. Alors on avait du café. Ah mais je crois que j'ai des. Attendez, j'ai pas du un truc là qui est sur le feu. Enfin sur le feu. J'étais pas en train de faire de l'huile. Si j'étais en train de faire de l'huile, bah c'est fini, c'est bien ça. Allez, hop, 33 flacons d'huile de tournesol, c'est parfait. Et hop, on va se charger. Et il se passe des trucs, hein, vous avez vu? Donc les étagères, on a quoi? Donc du café, mélange de légumes, du porridge, j'aurais pu en refaire peut-être du porridge, des œufs durs, de la marmelade de citron vert, du pop-corn, bouillir, bah non, sunflower, bah du tournesol, sunflower, donc de l'huile de maïs, des œufs frits, risotto aux champignons, qu'est-ce qu'on a? De la compote de pêche, de la confiture de fraises, des pommes de terre au four avec du fromage, et oui, mesdames et messieurs, de la salade ordinaire, j'aurais peut-être pu en faire plus. Ah, j'ai plus de laitue, c'est ça, il faut que je rachète des graines de laitue. Sandwich au bacon, ça j'en ai fait des tonnes. Un peu de salade de fruits. Ah bah il y en a encore là, tiens. Hop, j'avais pas fait gaffe, j'aurais pu libérer une étagère des gâteaux aux carottes. C'est les gâteaux au chocolat que j'ai jamais fait. Riz frit aux œufs, là je sais plus ce que je viens de prendre. Et là, riz frit aux crevettes. Et j'ai encore ça, donc de la marmelade de citron, de la confiture de pitaya, et ici j'ai encore des trucs, donc le miel, des gâteaux ordinaires, de la soupe de betterave, de la marmelade d'orange et un câlin à Délice. Et ben on est plutôt pas mal, on a réussi à tout mettre dans l'inventaire. J'avais encore de la place, j'aurais pas cru, j'aurais pu garder mes outils sur moi. Ouais, je pensais que j'avais cuisiné beaucoup plus que ça. Donc après, par contre, je pourrais vendre les aubergines. Par exemple, là, les aubergines coupées, elles me servent à rien. Il me semble que ça me sert à rien. Mandarine coupée, il doit y avoir moyen de faire de la marmelade, mais j'ai pas la recette. Et tout le reste, je peux le conserver parce que ça m'est utile. Et à ce niveau-là, les oignons, 999, on peut en faire pousser toute l'année. J'ai bien envie de vendre les 999. Les patates douces, je vais peut-être en faire pousser au printemps. Donc je vais les cumuler, je vais en garder. Les carottes, je garde. Les aubergines, donc je vais les vendre. Les betteraves, je les garde. Les navets aussi, je vais transformer. Ah, les algues, ça c'est pour faire des sushis, il me semble. L'avoine, je garde aussi. Le concombre, je vais garder parce que ça va me servir à faire des salades. Donc là on est plutôt pas mal. Tiens, puis on n'a qu'à aller vendre quelques fruits dorés, enfin quelques légumes dorés ou pas. Hein, puisque oh, autant qu'on est là. Oh, autant les cumuler. Hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de grainage. De toute façon, on va planter des graines mixtes hein, au printemps, je pense. On n'y est pas encore. À moins que je vous fasse une ellipse. Hein, puis qu'on se retrouve au printemps. Mais ouais, de toute façon, le temps que ça pousse. Ce sera dans le prochain épisode. Donc allons vendre tout ça. Ouais, ça va être les marchands ambulants sont à proximité de la mairie. Normalement, ça n'a pas changé, hein, il n'y a pas de raison.
Hop. Et 1.2.4. Alors j'ai parlé au personnage, hein, il n'y a rien de nouveau. Et on va vendre. Donc le café, ça nous rapporte combien? 5700. Allez, pof, on est refait déjà. L'huile, c'est l'huile de quoi ça? Ça, c'est l'huile de tournesol ou de maïs. Peu importe, 20 000. Ah ouais, quand même. Ah, ils soupent pas de notre gueule, hein. Ah, mais ça fait plaisir. Ah, mais mince, j'aurais pu faire de la soupe de légumes, j'en ai pas faite. Est-ce que j'ai encore des bocaux d'eau? Bon, on fera ça plus tard. Ça, c'est quoi? C'est du porridge. Attendez, c'est quoi? Alors ça, je vais mettre ça de côté. Mélange de légumes. Ah, mais oui, je l'avais mis ça de côté et j'ai oublié d'en refaire. Tiens, bah, puisqu'on est là. Toc. Et toc. Et puis, toc. Ah ouais, 80 sandwich quand même. J'en ai fait 80. Et ça, c'est du porridge. C'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr. Donc là, 80 sandwich. Ah bah oui, 41 000. D'accord. Les œufs à la coque, il y en a 30. 2800. Bon, ça va, ça reste correct. Marmelade de citron vert. Là, du popcorn, j'en ai fait des tonnes. Ça va, ça rapporte hein, quand même. Donc on va arriver, on va atteindre les 100 000, hein, les 120 000, je pense, facile. Les frites, j'en ai fait aussi des kilomètres. Donc là, l'huile de tournesol, l'autre c'était l'huile de maïs. Et ben voilà, on est à 116 000, 120 000, hein, on va les avoir. Ouais, les œufs, il y en a combien? Il y en a 10, ça coûte pas plus cher que ça. C'est pas rentable, ça sent quoi? Encore du porridge? Allez hop! C'est parti. Non, ça aurait dû se stacker si ça avait été du porridge. Donc ça, encore. De la laitue. Et il nous reste encore plein de trucs. Eh bon, écoutez, on va atteindre les 200 000, hein, facile, voire les 300. Allez savoir, bon après, faut peut-être pas trop rêver. Mais et des fois, il suffit hein, d'une denrée ou deux pour augmenter les prix très facilement. Mais voilà, déjà on est refait. On va acheter, vous savez ce qu'on va faire? Comme il me faut du lait, on va acheter des vaches. Oui madame, oui monsieur. Niveau lard, je suis servi, j'ai ce qu'il me faut, le temps de le cumuler. Hop, donc ça c'est le risotto. Hop, alors ça c'est soit de la marmelade d'orange, soit de la mandarine. Yes, on se fait du pognon, on se fait des sous-sous, on est à 200 000. Hein. Ouais, c'est ça. Ça c'est les crevettes. J'ai même pas regardé le prix. On ça a dû s'afficher à l'écran. Donc la marmelade de pitaya, confiture de pitaya, ça rapporte pas mal hein, quand même, rapport qualité-prix. Là aussi, bah, les confitures, les marmelades en général. Après j'en ai pas fait énormément, donc c'est pour ça que là, je dois les vendre prix fort. C'est excellent. Et il nous en reste encore à vendre. Oh, est-ce qu'on va atteindre les 300 000? C'est pas dit. Ah, peut-être avec les, bah si, avec les oignons aussi. Avec les oignons, les aubergines, vu que j'en ai jamais vendu, en fait, puisque je les ai toujours cumulés ou utilisés pour faire des recettes, on devrait s'enrichir assez facilement. Oh que oui. Donc là, bah oui, 53 000. Allez, hop, 300 000, on les a. Et ça, combien? Allez, 80 000, c'est parti. On s'enrichit, on est riche, ça y est. Allez, hop, c'est parti. C'est vrai que j'aurais attendu, j'aurais quasiment jamais vendu mes légumes crus. Hein. Donc ça, est-ce que ça vaut plus cher quand c'est coupé? Aucune idée. Gâteau carotte, il y a Cécile quand vous voulez. Et eh ben elle en aura pas. Bien fait pour elle. Salade de fruits, joli, joli. Hop, 12 000. Et eh ben on est plutôt pas mal. Et on va acheter des vaches. Je vous propose d'acheter au moins 3 vaches. Est-ce qu'on va les renommer? Bah, ce sera à vous de les renommer dans les commentaires si vous avez des idées. Sinon on va bien voir. Oh, ben, on est à 400 000. Hein. Le nom qui va leur être assigné, mouton. J'ai pas besoin d'autres moutons, pas d'autres cochons, d'autres poules. Peut-être d'autres poules. Les vaches, elles sont où? Je peux pas acheter. Ah, je peux pas acheter de vaches ici. On pourrait prendre 2 poules hein, supplémentaires. On pourrait prendre au moins 2 poules. Il y en a combien? Il y en a 4, ça fait 6. 2 poules et puis on va commander des vaches. Ah, mais attendez, j'ai installé un mode aussi. J'ai installé le mode salle de bain. Donc, normalement, on a des baignoires, on a des trucs comme ça. On va aller regarder dans le catalogue si on tombe dessus. Hop, c'est bien, on aura fait des trucs aujourd'hui. Je vous montre juste là ce que j'ai commencé à faire. On va se téléporter à la maison, comme ça va m'éviter de faire demi-tour aussi. Donc hein, pas grand chose de nouveau. J'ai fait ça juste avant de tourner, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais rien d'extraordinaire non plus. Tiens, bah hop, ramasse des glands. Hop. Hop, ce sera fait. Donc ici voilà, petit ruisseau, petit étang et petite cascade. Tiens d'ailleurs, je me pose une question, est-ce qu'on peut pêcher dans la cascade?
Parce que là, on peut pas monter comme dans Minecraft, non, c'est bloqué, c'est des blocs, hein, ça fait comme un mur. Et là, forcément, la canne à pêche, je l'ai pas sur moi. Et j'ai dit que j'allais me téléporter à la zone. Se téléporter à la maison, je me téléporte, je peux me tépéter, je me tépétète. Alors, go, vas-y, fais-moi un petit chargement rapide, s'il te plaît, Staxel, je sais que c'est un petit peu compliqué pour toi. Alors, j'ai noté quand même quelques bugs de lumière quand on terraformé. Et au niveau de l'océan, donc ça, mais de toute façon, c'est là, ça se prépare pour la grosse mage hein, qui va arriver, la 1.3. Donc elle devrait pas tarder, hein. On est dans l'été, normalement ils ont tout intérêt, ou alors peut-être pour la rentrée, allez savoir, je sais pas, j'ai pas vu d'annonce, après j'ai pas cherché non trop non plus, mais comme je surveille quand même un petit peu, ça aurait dû me faire tilt. Alors comment elle va s'appeler cette poule, alors, oh, est-ce que c'est un poule ou une coque, alors on a qui, Laetitia, oh la tia. Titi, on va la... Ah, Titi, on pourrait l'appeler Titi. Et là, c'est qui? C'est Feathers. C'est nul à chier. C'est pas bon, c'est pas joli. Comme... Par contre, ça va manger, ça. Hop, allez, piti. Allez, il y a à manger, allez pondre des œufs. J'espère que vous allez m'en faire quelques-uns. Vous rentrez dans le poulailler, sérieux? Ah, ce serait marrant de vous voir rentrer dans le poulailler, vas-y. Ah non, ça a pas l'air. Bon, alors ça c'est fait, je vais récupérer mes outils, parce que j'aime bien les avoir sur moi aussi. Toc, ma licence agricole, allez savoir, est-ce que j'en ai encore besoin. Et il me semblait qu'on pouvait pas la poser au départ. Ah, j'ai ça, attendez, ça je vais vous montrer. Alors ça, le sanctuaire, je suis allé, j'avais une croix dorée, donc je suis allé voir durant l'event d'hiver là qui est terminé, je suis allé voir l'espèce de fantôme. Et je lui ai demandé son sanctuaire, elle m'en a filé une copie et m'a dit pourvu que cela vous porte chance. Ok, où est-ce qu'on va le placer? Il n'y a pas de place ici. Hein. Il y aurait de la place en haut, mais on n'y va jamais. Mais on va y aller parce qu'on a le côté bathroom. Alors est-ce qu'il nous conseille quelque chose avec bathroom? Oui, regardez-moi tout ça. Donc des nouveaux meubles, on va pouvoir se faire un truc joli, moi je pense commander une baignoire. Hop, je pense il y a un tapis de douche ici, commander. On a une douche ici, puis le reste hein, c'est pas folichon hein, c'est la même chose. Un petit mode avec trois éléments et différents coloris, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de vous dire. Donc commander, on va leur demander de nous expédier ça tout de suite, hein, c'est pas le prix que ça coûte. Pof, on va faire un petit peu d'aménagement comme ça, yes. On vend tout, aujourd'hui on a tout vendu. Et ici ça pourrait être, ça pourrait faire une salle de bain. Hein. Donc par exemple, j'aurais pu prendre un deuxième tapis de bain. Alors est-ce qu'on peut utiliser la douche? C'est ça le truc. Attendez, il est où le fond de la douche? Donc là j'ai la porte, hein. On est d'accord. Donc là elle est devant moi la porte, c'est ça. Est-ce qu'on peut utiliser la douche? On va voir. Donc tapis de douche, hop, on va tourner. J'aurais pu en mettre un devant la baignoire. La baignoire que je vais mettre à côté, eh, ça rentrerait pile poil. Mais ça fait pas super joli, je préfère la placer ici. Comme ça on a le choix. Alors est-ce qu'on peut l'utiliser? Non. Ah non, c'est juste de la déco. Ah, c'est juste de la déco. Ah bah faut pas trop en demander non plus. Mais bon, c'est sympa. À la fois, on l'aurait utilisé. Pourquoi faire? C'est vrai qu'on a l'aquarium qui est ici. C'est lumineux, mais ouais, c'est assez grossier. Mais c'est bien de l'avoir fait. Hein. Moi, je sais pas faire hein, des modes, donc je vais pas critiquer les gens qui font des modes non plus. Pof. Donc ça, on le met où? On aurait pu le mettre en haut. On était bien. C'était les coloris. C'était les coloris adaptés. Et le canapé, là, on pourrait aller le mettre dans la cabane. Comme ça, je vous montrerai. J'ai avancé un petit peu, je crois, sur la cabane. Donc ça, c'est quoi? C'est une tête de chat. Neketsu, là. Il me semble. Alors, on pourrait peut-être le mettre plus là. Ici. Alors, faudrait le tourner dans le bon sens. Mais alors, on n'y voit rien. Ah, si. Voilà. Et là, ça passe, hein. Voir, oh oui,
Et donc si je clique dessus, il se passe rien. Mais alors est-ce que ça va nous porter chance? Ah, c'est un chat, peut-être que Délice va nous filer plus de trucs. Allez savoir, je sais pas, peut-être. Peut-être, c'est une éventualité. Je suppute que ce soit possible. Il fait déjà nuit, je vais pas avoir le temps de vous montrer la cabane. Si, c'est pas grave si on s'effondre en plein chemin. Petit épisode tranquille encore, mais au moins il se passe des choses. Alors, j'aurais jamais pu utiliser, hein, c'est dommage, hein, leur histoire là qui manque l'arbre. Parce que je vous l'avais montré dans la saison 1, on l'avait vu l'arbre quand on avait commencé à comprendre comment fonctionnait le catalogue et que j'avais installé, je sais pas, une trentaine de modes. Il était apparu, ou alors, c'est pas dans, mais si, c'est dans le bon mode. Donc voilà, bon, c'est pas super extraordinaire pour le moment. J'ai commencé à placer deux, trois petites choses, mettre des escaliers. Il manque toujours deux fenêtres ici, que j'aurais pu commander d'ailleurs, mais j'y ai pas pensé. Non, trois fenêtres, il en manque. Il manque trois fenêtres. Et donc voilà, des petites rambardes. Là, je commence à mettre des armoires. On pourrait mettre un canapé, hop, au niveau de la fenêtre. Ah, c'est dommage que. Alors attends, on va peut-être faire plutôt comme ça. Ouais, c'est plus symétrique, c'est plus harmonieux. Mais oui, il y a moyen de faire des trucs sympas. Même sans utiliser hein, le mode, je pense. Même sans utiliser le. Bah, quoique les fenêtres sont sympas, celles-ci, parce qu'on voit au travers. Mais sans utiliser le mode, il y a moyen de se faire des jolies cabanes dans les arbres. Et ça, c'est assez sympathique. Bon, il fait nuit, on va rentrer au bercail. Yes, yes, yes. Et à mon avis, on va s'empaffer. Est-ce qu'on peut s'empaffer en l'air? Ah, ça, c'est une question, ça. Ah, c'est une bonne question. Va savoir, ça. Le jeu, il buggerait peut-être. Ici du miel, j'en ai récolté la veille de vous tourner l'épisode, donc il doit pas y en avoir. Allez savoir, je sais plus. Allez faire la soupe de légumes. Ah si, du miel est disponible. Je dois plus avoir de bocaux. On pourrait aller commander ça. On n'a plus de bocaux. Donc attendez, j'ai plus de bocaux, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Il me semble pas. Ah bah ça y est, je dors. On va aller commander des bocaux. Pour faire la soupe. Bah non, c'est du lait qu'il faut. Ah, mais j'ai plus de lait. C'est vrai que j'ai plus de lait. J'ai plus rien du tout. Et on voulait des vaches. On voulait des vaches. C'est ça que j'ai oublié de faire. Donc des vaches. Bon, on pourrait en prendre 4. Vaches. Allez. Vaches et puis des bocaux. Allez. Vaches. Est-ce qu'on a taureau? Parce qu'on peut avoir des taureaux, hein. Le taureau existe. Hein. Vache, on va en prendre un, 2, 3, 4. Commander. Donc bocal vide aussi. Bocal. Donc il m'en faut. Ouais, tu peux m'en prendre une centaine. Facile. Facile. Et on va dire une centaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pendant que j'y pense, parce que je vais oublier. Du café, est-ce qu'on en refait? Non, j'ai pas envie. Hein. C'est assez galère hein, la cuisine quand même au bout d'un moment. Enfin, c'est pas que c'est galère, mais. Ah, des recettes, tiens, c'est quoi ça? Des hot dogs? Mais d'où que tu fais des hot dogs, toi? D'où que tu fais des hot dogs? C'est des nouveaux éléments ou quoi? Hot dog, il n'y a pas de recette pour les hot dogs. Alors comment on les obtient? Si on peut pas les fabriquer? Ah, c'est en train de se mettre à jour, on le sent. Peut-être que la recette elle est pas encore créée, hein, tout simplement. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Ça va venir avec le temps. Toc, je regarde. Non, c'est bien, il commence à y avoir des nouveaux trucs. Ou alors, c'est à la boulangerie qu'ils en vendent. Non, je suis pas sûr, j'en ai jamais vu. Du chocolat, j'ai jamais fait de gâteau au chocolat, ça coûte la peau des fesses. Oh, j'en ferai plus tard. De la crème glacée, tiens, ça coûte la peau des fesses. J'en avais fabriqué, je vous avais montré. C'est des bonbons que j'ai pas fait. Des sucettes, bonbons, bonbons. Est-ce qu'on a une recette pour les bonbons? On est page 6. Bonbons. Non, hein. Non, 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 ça n'existe pas encore. Le chocolat, pareil. Hein. Chocolat, ça va être le gâteau au chocolat, mais ça va pas être la recette du chocolat. Non, voilà. Hein? Ah non, gâteau au chocolat, j'ai cru. Hop, j'y ai cru. Oh, mais c'est les. Ah, oh, mais c'est les. Mince, c'est les carottes au miel. J'ai jamais fait gaffe comment les faire, les carottes au miel. Et ben attendez, vu que tout est prêt là-bas. Donc attendez, on avait nos vaches. Attendez, je regarde vite fait si on a un truc à commander. Hop, pas au niveau de la déco. Pof, pof, pof. C'est quoi ça? Un loquet?
C'est-à-dire qu'on peut verrouiller nos portes maintenant. Un loquet commandé. Ah, je sais même pas si c'est d'origine ou si c'était une poignée. Une charnière. Oh non, c'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. Ah, ça. Ah, mais il doit y avoir des nouvelles recettes pour construire les portes. À mon avis, ça va être ça. Ah, yes, c'est bien, c'est champignon frit. Donc, ça, on l'a vu. Cool. Je sais même pas s'ils étaient là-avant. Je pense pas. Hein. Donc, là, les vitres. Non, ça, c'est de la tôle. Des vitres. D'ailleurs, il y a des maisons. J'ai jamais fait de maison avec des vitres. Il y a des trucs que j'ai jamais utilisé de toute façon. J'ai bouffé toute ma canne à sucre, tiens, ça me fait penser. C'était quoi ça? Green water, des pistolets à eau. Bah, j'en veux un. Pink water, quoi? Des pistolets à eau? Ouais, mais vas-y, donne-moi un. Et là, tu veux dire qu'on peut arroser avec ça? Ça peut être marrant. Et il y a plein de nouveaux trucs là. Ah, c'est bien. Je pense pas que ce soit les modes. Je pense pas que ce soit les modes qui m'aient donné ça parce que ça m'aurait fait tilt. Je pense. Donc ça, par contre, c'est du mode, les écriteaux, les bibliothèques aussi. Donc ça, les ponts de singe, hein, on l'a jamais utilisé parce que faudrait relier la cabane à un autre arbre ou en construire un. Tac, tac. Je regarde vite fait quand même. Qu'est-ce qu'on avait là derrière? Ok, non, ça c'est du corail. On pourrait se prendre quelques coquillages pour se faire des sous, mais on est riche comme Crésus. Donc ça, c'est les pots, rien d'extraordinaire. Les plantes qui font de la musique aussi, donc les blocs, on les connaît à peu près tous. C'est quoi ça? Blocs de briques blanches moussues aztèques. Oh, ça sent la nouveauté, ça. Blocs de briques aztèques. Plis aztèques, ça y était déjà. Mais alors, ces deux blocs-là, ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux. Ça, c'est nouveau, ça. Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce qu'on a? Donc, les ballons ici, rien de neuf. C'est bien, je commence à avoir l'œil. Il serait temps, d'ailleurs, hein, au bout de presque 300 heures de jeu, maintenant. On pourrait se faire un cimetière, mais pour l'instant, je vais pas faire de dépenses. C'est pas le propos. C'est vrai que le jeu est en pause, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais j'ai installé les sprinklers. Ah, j'ai installé le mode sprinkler. Eh ben, on va en prendre des grands et on va en prendre. Ah bah, si l'arrosage il est automatique, on va rigoler. On va en prendre une. Alors attendez, une dizaine. Peut-être pas une dizaine. Si, une dizaine. Allez, par contre, ça va nous coûter la peau des fesses. 18 000. Et on a les moyens. On a les moyens. Par contre, ça descend très très vite tout de suite. Donc ça, c'est le logo de Staxel. Il y était avant. Je me souviens qu'il était là déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah, mais j'avais installé sprinkler, j'avais oublié. Ça, je l'ai jamais utilisé. Ça, c'est nouveau, ça. Toiture grise, c'est nouveau. Ça, c'est pareil, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah, ça fait plaisir. Ah, il y a des nouveaux coloris violets. C'est nouveau aussi ou je m'en souviens pas. C'est possible que ça ne le soit pas. Qu'est-ce que c'est? Plat de chips. Alors ça, c'est pareil. Comment on les fait, les chips? On regardera plus tard. Une table basse. Toc, toc, toc. Il commence à vraiment y avoir moyen de faire beaucoup, beaucoup de déco. Et c'est pas fini. C'est vraiment les débuts. Ce jeu est génial. Ce jeu est vraiment très complet. Hein. Les mecs, ils sont taqués dessus. Hein. Ça va dépasser Minecraft. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens là, qui vont y jouer. Parce que c'est un jeu qui mérite d'avoir une communauté très active, qui a une communauté très active d'ailleurs, quand on voit qu'on est à plus de 280 mods alors que le jeu n'a pas un an, hein, officiellement, et qu'on est toujours en bêta. Donc ouais, c'est bien, c'est très très bien parti. Donc ouais, il va falloir suivre ça. C'est surtout d'ici un an ou deux ce que ça va donner. Ça va être sympa. Donc là, on a les recettes, on va passer vite fait. C'est les pantalons, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. On en avait que 3 catégories, sinon 3 coloris. Sinon, c'était des shorts. Donc ça, je dois avoir du mode là-dedans. Hein. Oh oui, 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 oui. Hop, donc 100 pages sur 100. Ok, ça m'a rajouté des pages. Voilà, 1, 2, 3, 4 coloris. Est-ce qu'on achète un pantalon? Non, on s'en fiche. Et donc là, 48 000, hein, la commande.
Mais il me faut des vaches et un pistolero et des bocaux et des sprinklers. Et bah écoutez, on va tester ça. C'est le matin en plus. Donc c'est très bien. Hop, donne-moi ça. On va faire plein de trucs aujourd'hui. Alors attends, le pistolet à eau ou pas? Ça fonctionne comment? Faut mettre de l'eau dedans? Il marche comment le pistolet à eau? Ah ah! Il marche pas. Ah. Ah mais si, regardez. Alors il marche, mais il marche sur le robinet. Tac à tac. C'est peut-être pas au point encore. Tac à tac. On va essayer sur les plantes. On va essayer sur les plantes. Attendez. D'ailleurs, il me faut planter des plantes d'ailleurs dans. Alors, on a quoi? Je vous propose. Attends, on est 15e jour, ça va pas le faire. Ah, ça va pas le faire. Eh ben, on regardera ça dans le prochain épisode. Je vais le garder sur moi, le pistolet. Oh, comme ça, quand j'irai dans mon inventaire, je m'en souviendrai qu'il est là. Mais ou ici. Mais c'est j'ai rien planté là, donc on va pas pouvoir vérifier ça. Du miel est disponible. On va pouvoir aller chercher du miel. Je vais prendre les enfumoirs. Hop. Toi, il fallait du lait. Tiens, donc on va prendre du lait. Est-ce que t'as faim, Délice? Non, t'as pas faim. Oh, un lit! Il m'a donné un lit. Hop, oui, bah alors j'ai vraiment l'impression parce qu'il m'a donné un meuble il y a un jour et demi. Donc j'ai vraiment l'impression que bah, c'est le petit sanctuaire qui influe sur les cadeaux que le chat me donne. Elle va m'en filer plein. Je sens ça qu'elle va m'en filer plein. Le lait, on verra plus tard. Attends, je. Non, ça, je garde. C'est le lit que je vais poser. Je vais le poser là-bas, comme ça, je l'ai sous les yeux, vu que je suis souvent dans ces étagères. Je m'en souviendrai qu'il est ici. Et on va prendre ce qu'il faut, donc pas les croquettes pour le chat, de la laitière ici, et je commence à manquer de graines et de nourriture pour bétail. On devrait s'en sortir. Et il pleut en plus, tout nickel, tout va bien, mais ce qui nous avance à rien, puisque de toute façon, on n'a rien planté. C'est vrai. Oui, les poules, vous êtes mignonnes. Par contre, elles vont tout bouffer en 2 secondes. Hein, ces espèces de voraces. Non, c'est pas des œufs que je vais vous donner, vous allez pas apprécier, je pense que je vous donne ça à manger. Et j'ai plus de graines pour mes poules. Alors je vais juste prendre un petit peu de hauteur pour vérifier si j'ai bien tout ramassé. J'ai que 4 œufs, c'est peut-être normal pour le moment, vu que les autres sont des nouveaux arrivants. Donc on va les laisser s'acclimater, s'adapter. Et ensuite, une fois que les poules elles seront en confiance, elles vont pouvoir. Je pense pondre les petits œufs. Alors, c'est le coq qui doit être content dans son harem. Alors, Barney, et qu'est-ce que t'as allé toujours là dans ce coin-là? T'es content? Bah oui, t'es content. Quand t'es content, t'es content. Alors, on va continuer. Allez, voir les vaches. Alors, je peux me mettre à 15 000 km. Le lait, il va quand même arriver dans mes mains. D'ailleurs, je l'ai reçu, le lait, là. Oui, je l'ai reçu. Regardez ici. Là, je peux dire, Fanny, donne-moi du lait. Je peux lui tourner le dos. Le lait, il va quand même venir vers moi. Pof! T'as vu, c'est bien foutu, hein. Hop, une fois que je l'ai actionné, c'est bon. Je peux partir à l'autre bout du monde. Ça reviendra quand même dans mon inventaire. T'excites pas, mamie. T'excites pas. Tout va bien. Hop, un petit câlin, Fanny. Oui, Marguerite. Oui. Ah, j'ai dit que je prendrais soin de vous, hein. Je prends soin de vous. Alors, pof! On va y aller. Hop, installer les sprinklers. Alors, les sprinklers. Alors, c'est dans cette direction. Ah, bah, Cyrana, t'as peut-être un truc à nous raconter. On ne croise jamais. Je sais que la quête n'était pas terminée. Les développeurs en parlaient. Donc, est-ce que t'as autre chose à nous proposer aujourd'hui? Ou I see you, nose is back. Cyrana, see you, nose is back. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Et go, action. On va aller installer ça. Alors. C'est pas mal. Là, ça va être à peu près le milieu. Alors, le milieu, c'est peut-être plutôt ça. 1, 2, 3, 4 barres. 1, 2, 3, 4. Donc, on est là. Et ici, c'est plutôt. Et ici, le milieu doit être. On doit être à 12 ou 11 ici. Alors, comment ça s'arrose? Ah, ouais, d'accord. Ah, ça arrose que ça en fait. Ah, je pensais que ce serait plus efficace. Ah bah du coup ah c'est pas terrible. Alors du coup faudrait le poser à côté. Ah ouais non je pensais en fait faudrait en mettre là-haut et en mettre des plus petits. Bon on sait que ça existe, c'est bien. Je les installerai un autre jour ou sur un autre type de culture.
on va aller chercher du miel. Hop, on va aller chercher du miel. Et on va, j'ai oublié de poser les vaches. On va aller poser du miel. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est que ça, l'enfumoir, tu me le donnes. On va aller poser les vaches là-bas. La pioche, je vais pas la prendre tout de suite. Là, le fossile non plus. On va retourner dans l'étable. Ah bon, on va faire 15 000 trucs à la fois. Le cerveau, il sélectionne les informations les plus utiles. Hein, chronologiquement. Go. Bon, on y retourne. Dans l'étable. Vous étiez en train de me le dire en plus. Mais t'as pas posé les vaches. Mais si, regarde. Attends la fin de l'épisode. Regarde, je suis en train de le faire. Alors, les vaches. Je vais poser dehors par mesure de précaution. Alors, est-ce qu'elles ont des noms pourris ou pas? Alors, on a Mabel. Ah, Mabel, je l'avais déjà eu, Mabel. Ah bah ça fait plaisir de te revoir, Mabel. Je t'avais eu dans ma partie test, je crois. Ouais, c'est ça, dans ma partie test. Hop, enfin, la première vidéo que j'ai fait, c'était Mabel qui était là. Alors, qui c'est qu'on a? On a Mathilda. Ça te va bien, Mathilda? Ça te va bien, Mathilda? Je vais vous traire, hein, vous savez. Ici, on a qui? On a Mabel de. Ah non, vous pouvez pas vous appeler. Je peux pas avoir deux Mabel. Hein. Ça, c'est pas possible. Toi, on va trouver un autre nom. Et j'ai pas de taureau. Et on a Lucretia. Lucrèce? Lutèce? Lutèce? Non, c'est pas Paris. Alors. Pof, pof, pof. Ouais, c'est. Ouais, je suis pas. J'aurais bien voulu avoir un taureau. Mais bon, moi, ouais, c'est pas grave. Hein. Hop. Ah, elles ont pas de lait encore? Vous avez pas eu. Ah non, parce que vous avez pas mangé. Donc dès que je vous pose, vous avez pas de lait. Bah, c'est pas grave. Ça va être un joli bazar là-dedans, hein, je pense. Ah, ça va beugler. Hein. Ah, ça va en faire des crottes. Hein. Il va y en avoir des poutres. Hein. Ah, la couche de zone, elle va s'en prendre un coup. Oui, bah oui, mais vous êtes mignonne. Vous êtes mignonne et je vais pouvoir les ranger. C'est bien, j'ai acheté des sprinklers. La peau des fesses, je vais pas m'en servir. Est-ce que je peux les revendre? Parce qu'autant arroser en fait. Mais bon, ça fonctionne. Mais je pensais que ce serait plus efficace au niveau de la superficie d'arrosage. Mais tiens, c'est un truc qu'on pouvait faire. C'est aussi, ça allait défricher le village, je disais. Sprinkler. Ouais. Ouais, bah si tu m'en rembourses bien. Donc même si j'y gagne pas trop et que j'aurais pas dû commander, bon, j'ai quand même perdu 50 boulasses, 50 000 boulasses. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai essayé aussi de colorer, hein, des vêtements via la machine à laver, le sèche-linge. Non, il n'y a rien qui fait. J'aurais pu reposer tout ça d'ailleurs, puisque je suis là. Sinon, je vais vite être encombré. Alors, pof, pof, pif, paf, pouf, M-douche. Refaire du lait. Il me faut absolument du lait pour les soupes, pour la crème, pour le yaourt, pour les smoothies, pour plein de trucs en fait. Ça, c'est pas là que ça se pose. Encore quelques betteraves à sucre, puis on va commencer à faire un petit peu de sucre blanc. Je vais en avoir besoin dans le futur. Bon, je pense pas cuisiner, hein, d'ici la fin du let's play. Donc pour l'instant je suis toujours sur 30 épisodes, hein, tant qu'il n'y a pas la 1.3, j'ai pas de raison d'aller au-delà. Tiens, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lait et qu'on va le ramener ici. On va faire les soupes de légumes, parce que j'aime pas avoir des items qui traînent comme ça et qui servent à rien. Pof. Donc voilà, c'est ce truc là, on va s'en charger. Et pendant ce temps-là, hop, je ferai ça en off, je ferai des betteraves à sucre pour le plaisir. Allez, hop, c'est parti. Donc qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on a acheté des trucs? Alors le pistolet à eau, il me reste du miel. Bah oui, attends, mais si, du miel, on va aller chercher l'autre miel avant la nuit. Comme ça, on aura fait des trucs utiles. Des bocaux et voilà, il est dispersé, hein, ce garçon. Ah, mais c'est pas qu'il est dispersé, c'est qu'il a plein de trucs à penser. Donc voilà, et en plus, ben voilà, il tourne et puis il cause. Ah, c'est pour ça, et ouais, c'est pour ça. Va mieux sinon? Ouais, ça va mieux. Délice, t'as faim? Non, t'as pas faim, je t'ai donné à manger. Tout va bien. Alors, go à la petite cabane. Et puis, alors, tiens, on va aller faire un tour à la ferme. Normalement, je me suis servi. Alors le fait d'avoir terraformé, ça fait que j'ai pas mal de blocs d'herbe de côté, donc je vais pouvoir faire du paysagisme d'ici la prochaine fois. Mais voyez, hein, je prends mon temps maintenant pour vous sortir un épisode. C'est tranquille. Les roses.
C'est dommage qu'on puisse pas les ramasser, les planter ailleurs. Si j'avais su, je les aurais pas plantés là. J'aurais fait un truc décoratif. Mais bon, on n'était pas prévenus. Et j'aimerais bien voir Fan quand même. Parce que comme elle parle jamais, c'est peut-être la seule qui a un truc à nous dire. On va passer par le village, on va aller voir Fan. Avant la tombée de la nuit. C'est pas sûr qu'elle nous dise quelque chose ou qu'elle nous file des récompenses, mais je suis curieux. Vu qu'il y a des nouveaux items, c'est possible qu'il se passe un truc au niveau de Fan, peut-être au niveau des achievements, allez savoir. Et comme on va aller savoir. C'est ça qui est bien foutu, donc un petit peu de miel. J'aurais pu aller chercher avant la vente, mais bon, faut cumuler. Mais bon, toujours plus rentable de cumuler les objets avant de les vendre. Comme ça se vend plus cher et ça se vend au prix fort. Hop, allez, on enchaîne. On cavalcade et ça y est, on arrive au soir hein, déjà. Bon, c'est allez, fin d'après-midi, le soir. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? C'est grand. Ok, j'avais jamais trop fait gaffe en fait à la forme de l'arbre. Il est pas beau. Et donc, vous voulez faire quoi? Alors, allez voir Fan. Elle doit être dans l'auberge. Histoire de vérifier hein, quand même, pour avoir la conscience tranquille. S'il y a un truc nouveau ou pas, je passe par la remise. Salut Rowan. T'as peut-être un truc à nous dire. Arfan. Salut Nos is back. Il semblerait que tu as réalisé de nouveaux exploits. Yes! J'ai eu le nez fin. J'ai eu le nez fin. Ceci vient de la part de tout le village pour commémorer l'occasion. Oh là! Woodjumper, graines de manguier. N'oublie pas de me rendre visite une prochaine fois. Attends, je vais rappuyer pour voir. Je suis ravi de te revoir. Ça va bien? Ok. Donc elle nous a filé quoi? Vite inventaire avant qu'on arrive à la fin de la vidéo. Ouais, sympa le wool jumper. Wool, c'est la laine. Jumper, ça doit être c'est un blouson quoi. Graines de manguier et ça affiche. Oh, pour faire de la pêche. Ouais, d'accord. Donc graines de citronnier et c'est tout en fait. C'est tout. Donc des fringues. On va s'habiller en pêcheur. Donc les graines, je vais les mettre de côté. On verra ça une autre fois. Normalement, je peux les laisser là. Hein. Et puis, ça aussi, on va aller le ranger. Ah, j'ai eu le nez fin. J'ai eu le nez fin. C'est cool. Rowan, je suis content de te voir. Nos is back. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? T'as des bavardons un peu. T'as un truc à me dire de nouveau? Le vieux fermier avait l'habitude de nous expliquer comment faire pousser des cultures géantes. Des cultures géantes? Je ne connais personne qui ait réussi à avoir ce genre de succès depuis. Des cultures géantes. Ah, c'est intéressant. Ah, tu nous donnes des informations. Il y a rien. Il paraît que Cécile a quelques problèmes. Ah, elle me dit pas qu'elle veut encore son gâteau aux carottes. Attends, on va aller la voir vite fait. Elle veut toujours son gâteau aux carottes. Je vais jamais filer. J'en avais 13 tout à l'heure, il me semble. Elle est où, Cécile? Cécile? Cécile, elle est dans l'axe là, ici. Hop, on va allons la voir. Cécile, tu veux toujours ton gâteau aux carottes ou Ah oui, d'accord. Bah attends, on va t'en acheter un. Elle est où la boulangerie? Elle est là-bas. On va t'en acheter un. Oui. Je peux en cuisiner. Je peux en cuisiner. Je t'apporte ça. Je peux pas le cuisiner. Je vais te l'acheter parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Puis ça fait au moins deux ou trois fois que je te mets devant. Trouver une petite armoire. On va changer aussi. On va s'habiller en pêcheur. Alors gâteau aux carottes. Gâteau, me dis pas que t'en as pas. Oh, t'as pas de gâteau aux carottes. Oh, t'es pas pénible. Oh, t'es pas pénible. Bah peut-être le lendemain. Ouais, mais le lendemain, ce sera un autre épisode. Ah oui. Ah oui. Tiens, il n'y a pas une armoire par là? Est-ce que y a... Bah non, ça c'est un magasin. On est chez Alisa. Mince. Une armoire quelque part pour se changer. On va en trouver une. Il doit y en avoir là dans les maisons. J'ai dû en mettre. Ça va Rosemary, t'as un truc à nous dire toi? Si tu veux déplacer des animaux, tu prends des caisses de capture. Voilà, et tais-toi. Hop, merci. Et t'as pas d'armoire? T'as pas... Ah si, t'as une garde-robe. Alors attends, je ressemble à quoi avec ça? Pof. Ouais. Ah c'est gris quoi. C'est gris. Y a de l'idée. Ouais, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. J'aurais pensé à un truc plus joli. C'est pas grave.
Bon, on va garder ça, ça change un peu. Pof, 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 et puis on va retourner à la maison. J'ai des trucs dans mon inventaire à ranger. Ouais, ça va, j'ai pas grand chose. Hein. Et c'est le pistolet à eau. Ah si, des graines de laitue. Des graines de laitue, il m'en faut pour la prochaine fois. Bon, là, je vais éviter d'en commander. Pof, Maximilien, t'as peut-être un truc à nous dire? Ah, Iris, je considère sérieusement d'approuver sa requête d'un skatepark. On le connaît, ça. Il va falloir le faire, ton skatepark. Après, on sait pas si c'est juste des... ils nous disent juste des trucs comme ça. Ou si c'est des choses qui vont se mettre en place dans les prochaines mises à jour. J'attends toujours le Théo Rose, moi, de comment elle s'appelle, la boulangère, là. Emilia. Et je voulais acheter quoi? Mince. Je voulais acheter... Vous savez, en plus, vous êtes en train de me le dire. Mais il oublie tout. Et des graines de laitue. Voilà, est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Bah non, il n'y en a pas, faut attendre. Ah si, non, graines de poirier. Graines de navet. Bah oui, c'est l'hiver, oignon, graines de chou, ça m'intéresse pas. Donc graines de laitue, tiens, téléporter à la maison. Pof. C'est pas grave, hein. On fera ça une prochaine fois. Quoique, on va peut-être avoir le temps. Allez, vas-y, charge. Charge, ce serait sympa. Je vais peut-être avoir le temps de faire une petite commande pour une centaine de graines. Graines. Je vais taper des graines, tiens, d'ailleurs, dans le catalogue, ça va nous aider à tout trouver plutôt qu'aller sur la bonne page. Et venez, tac, tac. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de temps de chargement hein, quand on allait se téléporter à la maison, c'était instantané, mais ça crée des bugs. Graines. Comment ça, graines? Panneau graines blueprint, mais non, graines, mais donne-moi des graines. Bon, bah écoutez, on va aller à la page. Graines de chou, peut-être plus par là. Bah non, là il met pas les graines ici. Bah non, il met pas les graines là-dedans. Ah mince, hop, redonne ça là-dedans non plus. 3 sur 3, bah non, il n'y a pas les graines là-dedans. Il me faut des graines de laitue, donne-moi des graines de laitue et ensuite je t'embêterai plus. Ah, ça va, ça y est, ils sont au début. Graines de laitue, j'aurais pu taper laitue, hein, tout simplement. Alors, de la laitue, et des patates douces aussi, tu vas m'en donner 100. Voilà, commander, qu'est-ce que j'ai pas beaucoup? Après, c'est plus l'arboriculture, ouais. Oui, il m'en manque, de l'avoine, ce sera pour l'automne, l'avoine. Et ici, il me faut la citrouille, non. La patate douce, on va prendre une centaine, on verra combien ça vaut quand on vendra le tout. Commander. Et des graines, ah, des graines, je vais peut-être en acheter pour mettre sur ma future île, là, mon futur continent. Mais voilà, bon, alors j'ai pas besoin de ça, commander ça maintenant, ça va pas changer grand chose. Puisque je pourrais planter ça qu'au printemps, soit dans 2 jours. Donc voilà, on va arriver à la fin de l'épisode. Tiens, puisque je suis là, je vais ranger les affaires. Ici, toc, donc je commence à en avoir beaucoup. Pof, ici, mais il y a encore de la place. Un nouveau chapeau, un chapeau. Ils prennent de la place, hein, les chapeaux. Yes. Bon, bah voilà. On arrive dans la soirée. Il est l'heure d'aller se coucher. En espérant que cet épisode vous ait plu. Moi, il m'a plu. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Et ciao. Bye.